Yo les poptous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est sur Bridge Constructor Stand. Donc je sais pas si vous vous rappelez du jeu qui s'appelait Polybridge à l'époque. C'était un jeu où tout simplement vous deviez construire vous-même votre pont pour pouvoir passer de l'autre côté. Là apparemment c'est exactement le même principe mais avec des rampes. Au début, pour nous expliquer, on va juste accélérer et sûrement passer des niveaux tranquillement. Mais après ça va se compliquer avec des rampes à monter nous-mêmes. Donc c'est parti les poptous, je vais vous montrer à quoi ressemble ce jeu et franchement ça pète. Donc là on est sur le niveau 1, donc le niveau le plus facile. Je vais vous montrer, on a une dépanneuse bleue jolie et waouh, des explosions. Et en fait voilà, c'est du stent. Waouh, oh, ça va, on fait masse de points. Nickel, nickel, easy peasy. En plus le petit pute pute à la fin qui passe très bien. C'est parti pour le deuxième niveau. Je pense qu'il est un peu plus compliqué. Déjà je vois que j'ai une jauge en bas. Ok, là il y avait un bidon qu'il fallait pas que je touche. Ok, waouh. Rip, ok, atteindre la ligne d'arrivée, je l'ai pas fait, ok, très bien. Alors on va, vous voyez, je peux reconstruire. Donc en fait là on est dans des levels qui sont faciles. Je pense qu'au niveau, à partir du level 4 ou 5, on aura des constructions à faire. Donc je fais conduire à nouveau, mais je pense qu'il faut que je ralentisse avant de passer la ligne d'arrivée, sinon je me prends automatiquement les bidons. Donc là j'arrête d'accélérer. Ok, ok les baptous. Donc on est maintenant au niveau 3, il y a des étoiles à ramasser. Et il faut que j'en ramasse le plus possible avec ma dépanneuse, ok. Là faut que je désaccélère j'imagine. Ah je l'ai pas pris, ça me barbare. Explosion mon gars, on est là. Ah je vais louper ça, bon mais tant pis on s'en fout. Tut tut. On passe au level 4, donc le level 4 il y a un salto à faire. Ce que je vois. Oh oui. Oh oui. Eh, si elle passe celle-là, mon frère. Oh, oh, oui. On passe au level 5. Et là, si on est sur un level 5, où en fait, voilà, vous avez une rampe. Et en fait, ils me disent qu'elle n'est pas assez inclinée ou assez bien déposée pour que ma dépanneuse passe au-dessus. Donc là, on va devoir la bouger. Donc déjà, je vais enlever ça. Enlever ça. Enlever ça. Enlever ça. Ok, donc là, vous voyez, je prends ça. Je le mets là. Je prends ça, je le mets là. Et après ce qu'ils disent, hein, le jaune ici, le vert ici, donc là ici, et là ici. Et normalement, ça devrait passer. Easy peasy mon frère, ça passe easy peasy. Eh les gars, on est des boss. Wow le salto, wow, pas le fou. Ok, c'est bon. Non, je veux pas péter les caisses derrière. Ok, je prends la petite étoile, ça fait zizir, on est là. Et la ligne d'arrivée. Ça va, on s'en sort plutôt pas mal les babtous. On passe au level 6, et là le level 6 c'est plus compliqué puisqu'ils me disent que ma rampe n'est pas du tout bonne en fait, tout simplement pour faire passer mon véhicule vu qu'elle est beaucoup trop petite. Donc il va, enfin beaucoup, elle est mal inclinée tout simplement. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça, on va le mettre là, on va le rattacher ici, on va mettre ça là, ça là. Là, on va changer le bord, on va mettre le coute, voilà. Et normalement, ça devrait passer, non? Et ça passe. Ça passe, mon gars. Ça passe easy peasy. Ah merde, j'aurais dû mettre une rampe là aussi, j'avais pas vu. Mais bon, tant pis. C'est bon, ça passe easy. Eh, franchement, j'ai eu peur parce que j'ai vu le truc qui faisait comme ça là. J'ai dit, c'est bon, ça passera pas. Ma dépanneuse, elle va passer à travers. Mais ça va, c'est passé quand même. Bon, on est passé au chantier 7. Et en fait, tout simplement, c'est une rampe que je dois renforcer. Parce qu'apparemment, quand ma dépanneuse va tomber dessus, ça va être beaucoup trop lourd pour lui. Et du coup, ça va l'éclater. Donc, je vais juste la renforcer ici. Je pense que c'est la base. Hop, ici. Ici. Ok, là, je peux renforcer. Ok. Si je fais un truc ici, non je peux pas. Ok, si je fais un truc là, voilà, comme ça la renforce bien. Hop, hop. Je vais rajouter aussi des rampes ici. Je peux pas. Si, ici, voilà. Hop, et A. Et normalement, ça devrait passer. Comment je fais? Voilà, LB, c'est parti. Normalement, ça devrait le faire. Vous êtes prêts? Et je fais un petit salto avant histoire de me la péter. On reprend le level, je relance comme ça, ok. Donc là c'est bon, ça va garder mes sauvegardes. C'est là que je vais renforcer, que j'ai pas renforcé, qu'il faut que je le fasse. Ça me fait penser, hop, et hop, voilà, j'ai renforcé ici, comme ça c'est beaucoup plus solide. Même ici je peux renforcer encore plus, hop, hop.
hop. Et hop, c'est parti. Normalement ça devrait le faire. Je pense que c'est pas passé tout à l'heure juste parce qu'en fait je l'avais mal sauté le bordel. Yeah, c'est passé crème. Lourd, merde, y'a encore une suite. Oui, c'est bon. On est tout simplement au level 8 là et c'est je pense le dernier level. Après je ferai les autres levels plus tard dans d'autres vidéos si ça vous a plu. Là on va faire un level qui est vraiment compliqué. Construisez la première rampe comme indiqué par les lignes, puis ajoutez les pièces manquantes aux autres rampes. Un gâchette droite appuyé. Ok, donc là faut que j'aille construire les rampes. Ok, donc là on voit que en fait on voit très bien que le vert c'est les routes et que le jaune c'est les suspensions, enfin c'est ce qui tient vraiment la chose. Vous êtes prêts pour notre premier parcours qu'on a construit vraiment entièrement. C'est parti. 3, 2, 1. Allez, ça passe. Wow, j'ai failli tout péter mon gars. Oui, ça passe. Oh oui. Ça va, c'est passé crème, on a fait 9001 points. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, moi j'ai trouvé que ce jeu était vraiment bien. Il était en bêta, je sais pas s'il est encore disponible pour tout le monde, mais il va bientôt l'être si ce n'est pas le cas. Et franchement, c'est un reconcept de Polybridge, mais en mode stunt, donc avec des explosions. Et c'est des rampes que vous créez pour faire justement comme des scènes d'action. Il y aura des véhicules à débloquer, bien sûr. C'est vachement intéressant, c'est super cool, c'est fun. Donc je vous invite à y jouer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. Je vous fais de gros bisous, laissez un like pour le soutien. Peace. Wouah, comment il a volé l'autre. Eh, c'est n'importe quoi sur cette course. Mais putain, je suis 3ème, non. Y'a combien de tours? Y'a qu'un tour.